Halimah. Eh, Halimah, mau kemana? Mau tahu aja. Ke abangnya yuk. Boleh deh. Layang pandang pelepas rindu, aku bertemu dengan dirimu di satu malam di bulan yang sadu. Oh Halimah, kau curi hatiku. Kamu di kota, aku di desa. Kita akan bertemu temu malam minggu bersama teman bersama saudara. Oh mati indahnya berpacaran. Kita mulai menikmati indah syahdu di malam minggu bersamamu dan kita berduaan. Lalu dengan sedikit malu kau bisikan kata cinta. Pelepas rindu, aku bertemu dengan dirimu di satu malam di bulan yang sadu. Oh Halimah, kau curi hatiku. Na 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 na. Aku pandang, ku pandang, ku pandang langit di batas senja. Yang sendu, yang sendu, yang sendu memenusuk hatiku. Kalaulah sayang takkan kemana, kalaulah rindu pasti bertemu. Layang pandang pelepas rindu, aku bertemu dengan dirimu di satu malam di bulan yang sadu. Oh Halimah, kau curi hatiku. Selayang pandang pelepas rindu, aku bertemu dengan dirimu di satu malam di bulan yang sadu. Oh Halimah, kau curi hatiku. Oh Halimah, kau rebut hatiku. Oh Halimah, kau jadi pacarku. Sekarang kita nonton layar tancap yuk. Ayo. Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp. J'espère que vous allez bien. Un gros merci à Maryse d'avoir fait la démonstration avec moi. On fait une danse qui s'appelle Halimah. Alors, c'est une chorégraphie de Yoon Andrizal et aussi de Lily Ko. C'est une danse qui a 32 temps, qu'on fait sur deux murs de niveau débutant. Il n'y a pas de restart dans cette danse-là. Par contre, il y a une transition, un tag de 8 temps à la fin du premier mur. Alors, on commence avec la première partie. On débute avec le pied droit et on fait deux pas de marche, donc droite-gauche. On prend quart de tour à gauche. On fait un pas de côté avec le pied droit et on fait un kick en avant avec pied gauche. Rendu ici, on fait ce qu'on appelle en anglais « weave ». C'est comme un genre de grapevine. Côté pied gauche. Croise en avant, pied droit, côté pied gauche. Et rendu ici, on fait un toucher avec le pied droit ensemble. Et en même temps qu'on fait le toucher, on fait un déhanchement à droite. Un peu comme dans la bachata. Pied droit, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième partie, pied droit. On fait un jazz box. Donc, croise en avant, en arrière, côté. On fait un toucher avec le pied gauche ensemble et en même temps qu'on fait le toucher, déhanchement à gauche. On fait un autre jazz box, mais on va tourner un quart de tour à gauche. Donc, on croise en avant avec pied gauche. On recule pied droit, quart de tour à gauche. On va de côté, pied gauche.
pied gauche et on fait un toucher avec le pied droit et on peut faire encore une fois un déhanchement à droite. Alors, si on combine les deux premières parties, pied droit, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jazz box, 2, 3, 4, jazz box, 6, 7, 8. La troisième partie, on est face au mur opposé. Ça va être plus facile si je la fais face au mur avant. Donc, pied droit, on va en avant. En avant, toucher pied gauche ensemble. On recule pied gauche, toucher pied droit ensemble. Et rendu ici, on fait un chassé en avant, mais un chassé syncopé. Donc, 5 et 6 et 7 et 8. Alors, si on refait la troisième partie avec les comptes, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7 et 8. Quatrième partie, la dernière partie, on débute pied gauche. On va de chaque côté et toucher. Donc, à gauche, toucher pied droit. À droite, toucher pied gauche. Et rendu ici, on va faire ce qu'on appelle ici un déboulé. En anglais, ils appellent ça « rolling vine ». Donc, on débute pied gauche. On avance quart de tour à gauche. On pivote un demi-tour à gauche. On recule pied droit. On va de côté pied gauche. Un autre quart de tour à gauche. Et on fait un toucher avec le pied droit pour le huitième temps. Alors, si on fait la quatrième partie avec les comptes, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, si on fait les quatre parties pour être sûr que tout va bien, quand on fait le premier mur, la troisième et la quatrième partie, on est face au mur opposé à 6 heures. Donc, on part pied droit, on marche. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jazz box, 2, 3, 4, jazz box, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7 et 8, 1, 2, 3, on tourne, 5, 6, 7, 8. À la fin du premier mur, c'est là qu'on va faire la transition, le tag de 8 temps. Alors, on va le faire ensemble, pied droit, côté, ensemble, côté, et on va pointer en arrière le pied gauche. Alors, si on fait seulement ces pas-là, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Rendu ici, on pivote un demi-tour à gauche, on dépose le pied gauche et on va pointer en avant le pied droit. Donc, si on fait seulement ces pas-là du tag de la transition, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et rendu ici, on fait un pas qu'on appelle, dans le fond, ce n'est pas des pas, c'est pas ça, chémi. On va, dans le fond, brasser un petit peu les épaules. On commence dans le fond, en même temps qu'on pointe en avant à 6, on va faire 6 et 7 avec les épaules. Et à 8, on ne fait rien. Donc, quand même pas évident là, si on n'a jamais fait ça. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, il n'y a rien à 8. Et rendu ici, on repart sur le deuxième mur du début, donc le mur avant. 1, 2, 3, kick, les mêmes pas. Alors, étant donné que c'est une danse à deux murs, on va faire les pas sur le deuxième mur, face dans le fond au mur opposé, quand on fait le deuxième mur. Alors, pied droit, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jazz box, 2, 3, 4, jazz box, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, pour la finale, on est face au mur opposé. On va faire la première partie et le début de la deuxième. Alors, si on le fait ensemble, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jazz box, 2, 3, 4, et rendissons pour le jazz box, quart de tour à gauche, mais légèrement différent. On croise en avant, on recule et rendu ici côté touché, mais plus rapidement. Donc, si je refais seulement la partie du jazz box, la deuxième partie, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et je mets les mains de chaque côté. Alors, c'est une finale très personnelle. Alors, si on fait le jazz box final, 7, 8, 1, 2, 3, 4,
5, 6 et 7. Alors, merci beaucoup et bonne danse. Hey guys, this dance is called Alima. It's choreographed by Yun Andrizal and also by Lily Ko. It's a 32 count, two wall, beginner level line dance. So there's no restarts in this dance, and there's one 8 count stag at the end of wall one. So let's start with section one. We start with the right foot and we do two steps forward. So right, left, then quarter turn to the left. We do a step on the side with the right, and we do a forward kick with the left. Then you do a weave to the left, so side, cross over, side, and you touch together with the right. And at the same time you touch, you bump your hip to the right. So let's do section one with the cats. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Section two. You start with the right and you do a jazz box. So you cross over the left, you go back, side, and then you touch together with the left. And at the same time you touch, you bump your hip to the left. Then you do one more jazz box, but you will do a quarter turn to the left. So you cross over the right, you go back quarter turn, you go side, and then you touch together with the right. And you can also bump your hip to the right at the same time you touch, okay? So let's do the first two sections with the counts. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jazz box. 2, 3, 4. Jazz box. 6, 7, 8. Section three, we're facing 6 o'clock. It will be easier for you guys if I do it facing 12 o'clock. So you start with the right and you go forward. So forward, you touch together with the left, and then you go back with the left, and you touch together with the right, and then you do a syncopated forward shuffle. So 5, 6, 7, 8. So let's do section three with the cats. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Section four, the last section. We start with the left and we go to the side. So side, we touch together with the right. Then we go side with the right and we touch together with the left. And then you will do a rolling vine. So you start with the left, forward, quarter turn to the left. Then you go back with the right, but half a turn pivot to the left. And then you go side with the left, one more quarter turn to the left. And then you touch together with the right, okay? So let's do section four with the cats. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So let's do the four sections just to be sure everything's all right. But when you do wall one, section three and section four will be facing 6 o'clock, okay? So we start with the right foot. Two steps forward. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jazz box. 2, 3, 4, jazz box. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, rolling vine. 5, 6, 7, 8. So at the end of wall one, there's an 8 count stag. So let's do it together. We start with the right and we go side together, side, and then we touch behind with the left, okay? So let's do these steps of the tag. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Then you do a half left turn pivot, and you step on the left, and you touch forward with the right foot, okay? So let's do these steps just to be sure. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then you do a shimmy, shimmy, so 6 and 7. So at the same time you touch forward, you start to shimmy. And at 8, you don't do nothing. So let's do the tag together. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8.
And then you start wall two. So the same steps facing 12 o'clock again. One, two, three, four. Okay. So since it's a two wall dance, let's do the four sections facing 6 o'clock. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jazz box. 2, 3, 4. Jazz box. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, and 8. 1, 2, 3. Rolling vine. 5, 6, 7, 8. And you start from the top again. Okay, so section 1. So for the ending, you will start facing 6 o'clock. You will do section 1 and the beginning of section 2. So it's almost the same steps. So let's do section 1 facing 6 o'clock. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jazz box, 2, 3, 4. And then you do the jazz box quarter turn to the left. So you do 5, 6, and then side touch for and 7. So let's do only section 2, the ending. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And I put my arms each side. But that's a very personal way to end it. So let's do section 2, the ending. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and stay safe.